Après plusieurs mois de suspense et de rebondissements, Kylian Mbappé reste finalement au Paris Saint-Germain. C'est l'actualité, c'est la bombe qui est tombée hier et qui a été confirmée ce soir. L'attaquant du Paris Saint-Germain restera bien au PSG pour les 3 prochaines années à venir. Yo tout le monde, c'est Fisco James. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en format podcast. Aujourd'hui, on va parler du cas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je pense que vous connaissez tous. En plus, on a le même âge, moi et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, attaquant du PSG, né à Bondy, qui a commencé sa carrière à Monaco et qui est prêt pour la finir au PSG. Mais oui, vu comment c'est parti, là, c'est sûr qu'il va finir au PSG. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, on va commencer par les petites annonces. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est depuis pas très longtemps que j'ai récupéré cette chaîne, du coup, il va falloir la faire monter. Il faut que vous soyez nombreux, partagez-la à vos proches. Ici, on parle d'actualité politique, sociale et sportive. J'ai aussi une page Instagram dans laquelle je m'adresse le plus à ma communauté, dans laquelle aussi où je parle souvent, je fais des débats, je fais des sondages. Je parle d'actualité et après vous avez un site internet où je poste tout, sans filtre, sans avoir de problème. Vous connaissez la censure sur les réseaux sociaux. Au moins là, je peux parler de sujets tranquilles sur le site internet. En tout cas, abonnez-vous, fiscojames.com/newsletter. En tout cas, c'est parti. Maintenant, parlons du cas Kylian Mbappé. Franchement, moi, personnellement, je m'attendais à ce que Kylian Mbappé parte du Paris Saint-Germain parce que il a vraiment plus rien à faire là-bas. Moi, en tout cas, je vois le côté sportif. Sur le plan sportif, Mbappé, c'est pas avec le PSG qu'il ira loin. Le PSG, franchement, c'est un club. Je suis moi-même fan du PSG, je supporte le PSG. Mais même si c'est vrai que pour l'histoire, c'est joli, je pense pas qu'Mbappé pourra gagner un jour quelque chose ici. Même si ce n'est pas impossible. S'il le fait, tant mieux, mais s'il le fait pas, ça risque d'être critique. Parce que après, je vais détailler plus en amont dans la vidéo, mais tout d'abord, je vais reprendre l'annonce qui a été annoncée, comme quoi Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain pour 3 ans, avec un deal qui avoisinerait les 700 millions d'euros sur 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que représente 700 millions d'euros sur 3 ans? Alors que là, actuellement, Mbappé, il touche à peine 20 millions d'euros avec le Paris Saint-Germain. Là, il sera à plus de 100 millions par an avec le Paris Saint-Germain. Sans compter en plus les contrats publicitaires et les sponsoring. C'est vraiment un truc de ouf. Mais après, moi, je pense que si Mbappé est resté au PSG, malgré tout ce qui s'est dit depuis tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, c'est parce qu'il a dû avoir des garanties. Des garanties financières, ça c'est sûr, mais aussi des garanties sportives. Parce que je pense que certaines personnes doivent le savoir, mais en NBA, avec LeBron James, c'est à peu près ce qui se fait aussi. LeBron James, quand il part dans des équipes, il contrôle un peu le game, c'est lui qui fait ses petits trucs. Il est en même temps coach, il est en même temps joueur, il est en même temps general manager, il est en même temps propriétaire de franchise. Le mec, quand il va dans une équipe, tout lui appartient. Et je pense que Mbappé, il s'est inspiré de ça. Il s'est inspiré de son mentor, LeBron James. Au début, moi, je pensais qu'il allait faire comme LeBron James en 2010, avec The Decision. Je pensais qu'il allait faire une petite émission. En plus, j'avais vu des rumeurs comme quoi il devait aller sur un plateau TV ou une émission de LeBron James ce dimanche. Je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est vérifié, vous me direz dans les commentaires. Pour annoncer son départ ou s'il restait au PSG. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe. Parce que là, ok, Mbappé a re-signé au PSG, mais est-ce qu'il a eu bon, est-ce qu'il a eu tort, ou est-ce que c'est un bon choix? Moi, personnellement, on va commencer la première partie. Je dirais que Mbappé reste au PSG, c'est cool, c'est vraiment un choix bien. Après, il faut comprendre que la prolongation de Mbappé au PSG, c'est une question qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, et c'est aussi une question qui n'est pas non plus opportune. Parce qu'il faut savoir que une re-signature de Mbappé au PSG, c'est comme si le mec allait alimenter toute l'industrie française sportive au football. La Ligue 1,
sans Mbappé, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est perdu. La France, sans Mbappé au niveau sportif, c'est la même chose. Et c'est pour ça que tous les politiques ont commencé à se mêler de l'histoire Mbappé. On a vu Nicolas Sarkozy, on a vu Macron, on a vu tout le monde qui s'est réuni pour empêcher Mbappé. Limite, c'était un truc de ouf. Mais c'est ça, ils ont ramené tout le monde pour refaire signer. Il y a l'émir du Qatar en personne qui est venu parler avec Kylian Mbappé. Ses parents, ils sont partis au Qatar, tout le monde est parti au Qatar, ils ont discuté avec tout le monde. Et finalement, ça a débouché sur Mbappé qui re-signe au PSG. Là, franchement, moi je pense que c'est l'argent. Malheureusement, l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, c'est vrai. C'est avec l'argent que Mbappé est resté au PSG. Mais après, est-ce que ça va être un bon choix sportif? Moi, malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que certaines personnes pourraient l'être. Moi, je pense que Mbappé, le mieux qu'il aurait pu faire, c'est de changer de club. Même si je suis fan du PSG, je pense pas que le PSG, ce soit le club qui puisse lui apporter ce nouveau step dont il a besoin dans sa carrière. Parce que le PSG, déjà, c'est la Ligue 1. C'est un club qui survole tout en Ligue 1 depuis maintenant près de 10 ans. Et c'est un club aussi qui ne réussit toujours pas à s'imposer en Ligue des Champions. Et c'est vraiment ça le point noir, c'est la Ligue des Champions. Le PSG, il peut gagner autant de titres qu'ils veulent en Ligue 1, des championnats de France, des Ligues 1, des Coupes de France, tout. Ils peuvent même gagner la Coupe interstellaire française, tout ce qu'ils veulent. Mais tant que le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions, ça restera une tache noire. Après, ce qui est bien, c'est que si jamais Mbappé réussit à écrire l'histoire avec le Paris Saint-Germain et qu'il réussit à remporter des titres avec le PSG, on parlera de cette affaire autrement. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas très certain. Déjà que Neymar, quand il est venu en France, on s'attendait à ce qu'il puisse faire passer le PSG à une étape supérieure. On s'attendait à ce que Neymar puisse rajouter cette dimension européenne au PSG. Sauf que Neymar, ça a été beaucoup de blessures. Ça a été le joueur qui, à partir du mois de décembre, février, est complètement porté disparu et qui partait, voilà, au... Comment dire ça? Il partait au Brésil pour quelques festivités, mais sur les terrains, et c'était clairement un joueur qui manquait. Après, Mbappé, c'était aussi un joueur qui, avant leur finale de Ligue des Champions en 2020, c'était un joueur qui, dans les grands moments, n'était pas très très attendu. Enfin, il se montrait pas réellement au niveau en Ligue des Champions, et même, je me souviens de sa finale en 2020, où ils ont affronté, je crois que c'était... Ouais, voilà, c'était une finale contre le Bayern de Munich. Ça s'était très très mal passé, franchement. En plus, le PSG, c'est grave parce que tout ce qui se passe en Ligue des Champions, on dirait que c'est comme si le club avait une malédiction, mais qu'une fois que les joueurs sortaient du club et ils partaient dans d'autres clubs, les coachs partent dans d'autres clubs, soit ils gagnent la Ligue des Champions, soit ils vont plus loin. Je pense au à Chelsea avec Thomas Tuchel ou même avec le Brésilien Thiago Silva, qui ont, une fois être partis à Chelsea, même pas un an après, ils gagnent la Ligue des Champions. Ou sinon Kingsley Coman, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Franchement, tout ça, c'est dur. Après, voilà, on va voir ce que le PSG va donner dans les 3 prochaines années. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un choix, au niveau sportif, c'est pas le choix le plus... On va dire c'est un choix très très ambitieux. Si jamais ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est chaud. Mais après, je pense que Mbappé, c'est quelqu'un de très très ambitieux. C'est quelqu'un qui veut vraiment marquer l'histoire. C'est quelqu'un, comme il a dit, il voulait plus de responsabilités. Là, désormais au PSG, ben, il aura beaucoup plus de responsabilités. Il va passer devant Messi, il va enfin passer devant Neymar. Même si moi, je fais partie de la team qui considérait que même si Neymar est venu au PSG, depuis le début, ça, mes frères, ils en seront témoins. Depuis le début, je disais que Mbappé, il allait bouffer Neymar. Les gens commençaient à croire que ouais, Neymar allait être la star du PSG. La star du PSG, c'est Mbappé, les gens. Messi, il est venu au PSG, c'est la même chose. C'est tous des petits. Le grand, c'est Mbappé, les gars. Mbappé, Mbappé Porsche, comme il dit Mohamed Deni, mais vous avez capté. Ensuite, le truc qui est mauvais, c'est pour le Real de Madrid. Le Real Madrid, parce que waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis près de 2 ans,
ils sont totalement focus sur Mbappé. Florentino Pérez, il est là, il lâche des petits trucs. Il y a des analystes espagnols qui lâchent des petits trucs sur les réseaux sociaux tout le temps sur Mbappé, comme quoi il voudrait partir du PSG, comme quoi nanani, comme quoi il est pas heureux, comme quoi il est emprisonné, comme quoi nanana. Et là, Mbappé ne part pas. Non, franchement, c'est chaud. La clim, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à parler de clim, mais là, franchement, c'est une clim. Mais elle est tellement froide, la clim. Waouh! Là, carrément, c'est le pôle Nord. Même pire. C'est un truc de ouf. Là, je pense que les fans du Real, on va plus les entendre pendant un très très long moment. Et même Mbappé. Parce que le Real, c'était son club de cœur. Là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, c'est fini. Il n'ira plus jamais au Real. À part si on ne sait pas ce qui peut se passer dans 3 ans. Mais là, à l'heure actuelle, c'est mort. Le Real, ils ont carrément rampé derrière lui. Ils ont laissé passer Haaland parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient aller signer Mbappé. Et finalement, ils se retrouvent avec aucun des deux. Après, ce qui est bien, c'est qu'au moins avec l'équipe qu'ils ont, ils ont réussi à aller jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et là, ils ont un match samedi prochain contre Liverpool à gagner. Il faudrait vraiment qu'ils se concentrent sur ce match parce que là, quand on voit ce qui se passe actuellement, on a l'impression que le cas Mbappé est plus important qu'une finale de Ligue des Champions. Faut quand même pas oublier que le Real de Madrid a réussi à passer beaucoup de clubs jusqu'en finale de la Ligue des Champions cette année et se retrouve à jouer Liverpool avec seulement Karim Benzema, les gens. Karim Benzema qui porte l'équipe. Il porte l'équipe à lui tout seul, ils ont réussi à aller. Du coup, en conclusion, je dirais que ce choix de Kylian Mbappé, c'est un choix bien. C'est un choix judicieux s'il fonctionne. Mais si jamais il fonctionne pas, ça sera catastrophique. Ça va se retourner contre lui. Mais vraiment fort. Parce que Neymar aussi, quand il est venu au PSG, on avait des attentes sur lui. On pensait qu'il allait être ce joueur qui allait faire passer le PSG un nouveau cap. Et finalement, ben, c'est encore pire. Finalement, Neymar, il n'a pas eu l'impact qu'il avait à Barcelone avec le PSG. Et je pense que les fans, même s'il y a certains, bah, ils sont contents que oui, Neymar est là, Neymar, mais Neymar, c'est plus le même Neymar qu'il y a 7 ans. Neymar, maintenant, c'est devenu un joueur lambda du PSG, quoi. Et bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, vous, dites-moi vos avis dans les commentaires. Je vais les lire. Dites-moi si Mbappé a fait une bonne décision en re-signant avec le Paris Saint-Germain ou est-ce que Mbappé devrait partir? Est-ce qu'Mbappé devait partir? Les fans du Real de Madrid, dites-moi tout. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. I'm calling you because I just listened to your music. Girl, you were kicking it. I enjoyed it, friend. I have Robin and I'm listening to it too. So we'll talk later. Bye-bye.